CDT News. Est-ce que la levure de bière fait grossir? Quelle efficacité? Est-ce que la levure de bière fait grossir? Avant tout, on doit savoir que cette levure nutritionnelle ou alimentaire est un supplément nutritionnel qui offre des protéines supplémentaires, du fer et des vitamines du groupe B différentes de la levure utilisée pour cuire le pain, mais elle reste aussi un champignon. Est-ce que la levure de bière fait grossir? Une portion conseillée de la levure alimentaire comprend environ 60 calories, ce qui est peu, et ne pourra pas causer un gain de poids substantiel. Si vous incluez la levure à des aliments riches en calories ou mangez plusieurs portions chaque jour, alors là, vous pourriez vous retrouver avec un surpoids. Alors on peut dire clairement que la levure de bière fait grossir. Base de gain de poids. Dans la plupart des cas, vous gagnez du poids parce que vous consommez encore plus de calories sans les brûler. Si vous consommez un supplément de 3500 calories de plus que votre corps utilise pour maintenir une activité normale quotidienne, vous vous trouverez avec un poids supérieur à la normale. Avec 60 calories par 2 cuillères à soupe, si vous ajoutez la levure nutritionnelle à vos besoins caloriques d'entretien sans changer quoi que ce soit d'autre, vous pouvez obtenir 6 livres, soit presque 2,7 kg, pendant un an ou environ 10 pence, 0,045 kg, chaque semaine. Possibilité. Si vous ajoutez 2 cuillères à soupe de levure alimentaire à plusieurs repas et friandises, ces calories peuvent s'accumuler, 3 portions chaque jour ajoutent jusqu'à 180 calories, ce qui pourrait vous amener à obtenir 40 pence, 0,18 kg, en une semaine, soit environ 1 livre et 50 pence, 0,67 kg, en un mois. Vous n'avez pas besoin de plusieurs portions de la levure quotidiennement pour augmenter votre poids. Une portion de 2 c. À soupe de levure fournit encore plus de 100% de vos besoins quotidiens pour la majorité des vitamines du complexe B, 4 g de fibres, 9 g de protéines et 20% de la valeur journalière pour le fer, basé sur un régime alimentaire de 1000 calories. Considération. Si vous avez ajouté la levure nutritionnelle à votre alimentation pour prendre du poids, pensez à diverses autres causes potentielles. Vous pouvez ajouter de la levure alimentaire au maïs soufflé, à des soupes, des pâtes, des œufs, des frites ou bien des smoothies. Si ces aliments ne sont pas inscrits dans votre alimentation, vous pouvez les ajouter afin d'augmenter les chances de la prise du poids. Par exemple, si vous prenez un smoothie tous les jours avec 2 c. À soupe de levure, un banane mûr, un tasse de fruits et un tasse de lait, vous avez augmenté votre consommation de calories de 350 calories. Une addition de 350 calories mène à un gain de poids hebdomadaire de 70 pence, 0,3 kg, certainement visible au cours de moins un mois. Stratégie. Tenir un journal alimentaire peut vous aider à reconnaître la source des calories supplémentaires qui déclenchent le gain de poids. Adhérez à une seule portion de levure alimentaire par jour et assurez-vous que vous de la prendre quotidiennement. Si vous prenez la levure nutritionnelle chaque jour, essayez de réduire le nombre de calories consommées quotidiennement. Les bienfaits de la levure de bière. La levure de bière est un élément typique de ceux qui suivent un régime végétarien en raison des protéines et de nombreuses vitamines du complexe B qu'elle fournit. Ces vitamines sont habituellement trouvées dans le bœuf, les poissons et la volaille. Indépendamment de la pratique diététique, ce type de levure est riche en thiamine, vitamine B1, riboflavine, vitamine B2, niacine, vitamine B3, acide pantothénique, vitamine B5, pyridoxine, vitamine B6, biotine, vitamine B7 ou vitamine H, acide folique, vitamine B9. Outre ceux énumérés ci-dessus, la levure de bière contient une quantité notable de chrome. On trouve que ce minéral diminue les taux de glycémie. Alors la levure peut potentiellement aider les personnes souffrant du diabète en améliorant la tolérance au glucose et en réduisant le besoin d'insuline. Une étude a testé un supplément à base de levure sur le syndrome prémenstruel, PMS, et l'a trouvé efficace. Le supplément diététique utilisé est appelé Silix Dona et il est composé d'un micro-organisme qui est la levure de bière. Risque de levure de bière. La levure de bière fait grossir, mais on doit savoir que certaines personnes sont simplement allergiques à la levure. La sensibilité peut être à tous les produits à base de levure, comme les suppléments nutritionnels de levure, et pourrait déclencher plusieurs symptômes, comme l'irritation de l'estomac, des maux de tête et des démangeaisons. Certaines pathologies augmentent la sensibilité à la levure, à savoir la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Ce sont les types les plus graves des maladies intestinales inflammatoires. S'il vous arrive d'avoir un système digestif faible ou sujet à de tels problèmes, vous devez être plus prudent et demander à un spécialiste si la levure de bière vous est inoffensive.
Bien que les effets positifs du chrome sur le taux de sucre dans le sang aient été étudiés, il est tout à fait possible que la consommation excessive de ce minéral peut donner naissance à des résultats graves, comme la chute du glucose dans le sang, ce qui peut provoquer un coma hypoglycémique. Il serait plus sûr de consulter un médecin pour comprendre la quantité de la levure de bière à inclure dans votre alimentation, surtout si vous êtes déjà diabétique. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.